manger les connaissances santé samedi. Ouais, samedi. Et là, c'est encore en décadence. Attendez que j'attaque à mon producteur. Pas les petits qui ne disent rien sont là. On va péter. Moi, je vais payer 30 000 là, que tu paries. Moi, je vais rentrer là-bas. Je ne pars pas. Non, mais c'est pour les orphelins, c'est pas pour créer. Vous êtes venus quand même. Mais si. Les 30 000, c'est pour les orphelins. Fait, si tu n'avais pas fait le bruit là, tu crois qu'on serait venu ici. Mais c'est qui m'a appelé de Strasbourg pour me dire que va, tu lui dis que. Dans mes rêves, tu me dis toujours que je peux venir en public et faire juste mon tour. Mais je peux plus, vous voyez vous-même, les fans réagissent, les fans viennent vers moi pour faire des photos. Du coup, ma séance a été interrompue. Moi, si on peut même maximiser ma dose, hein. Alors, moi, je suis toujours en train de sortir. Lâche-moi! Après moi, j'aimerais avoir un beau derrière, c'est mon rêve. Et un ventre plat avec des jolis seins bien remontés, bien fermes. Qu'est-ce que vous voulez? Je travaille, je ne dis pas. Je fais de l'argent. Du coup, j'arrange mon corps. Parce que c'est mon corps, c'est mon outil de travail. Sur la télé-réalité, là, sincèrement, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va nous sortir et tout? Mais vous êtes dans une blagueuse, elle va abandonner l'idée très vite. On est en train de me zoomer, je n'oublie pas ça. Je fais seulement de ne pas regarder la caméra, là. Je propose de couper ceci au montage. Oh là là. Là, je suis trop distraite. Au revoir, je m'en vais. Pas pu rester à la soirée. J'étais très mal accueillie. Je suis une diva, je suis une artiste. Même si on est amis et qu'on est là. Voilà, c'est un peu ça mon travail, quoi. Parce que je fais confiance à mes amis, je vais soutenir mes amis. Mais je suis très mal accueillie. Et en étant une diva que je suis, je peux pas accepter ça. Donc, je me casse. Est-ce que c'est bon? Spécialement pour vous ce soir, j'ai mon petit H20 que je vais vous faire en exclusivité.